Attends, montre-moi ce que tu sais faire. Est-ce que je t'ai appris? Où est-ce qu'il faut frapper un homme pour le faire? Parce que... Oh, oui, tu t'en souviens, mais un seul coup, ça fait pas tomber un homme. Oh, là, oui, par contre, j'ai mal... Oh, tu m'as niqué les bureaux. Il faut me reposer deux secondes. On fait la paix. Non, je déconne, tiens, mange-toi ça. Fais jamais confiance. Un Spartiate. Arène. Allez. Nous avons des Suédois qui veulent faire des affaires. Des Suédois? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est des petits blancs comme toi qui viennent pour te vendre des meubles. Et il reste toujours des pièces en rab et ça, ça m'énerve. Tu comprends vraiment rien quand je parle. Allez, ça suffit, c'est bon, hein? Tu l'as assez martyrisé comme ça, qu'est-ce qu'il va dire son père? Merci. C'est pas faux, et pour les Suédois alors? Tu veux aller voir les Suédois avec moi, mon petit? Pourquoi pas? Voilà, attention, il y a une crotte de chien par terre. Oui, voilà. Ça va, la famille? Tranquille? Très heureux de vous rencontrer. C'est Flip-Flop, le Suédois. Il ressemble pas trop à un Suédois. Bonjour. Je t'arrête tout de suite. Déjà, pour un Suédois, t'es pas très blanc de peau. Et puis en plus, on va pas t'acheter ta camelote. Je sais ce que ça vaut. C'est que des pièces en rab. C'est immontable. Tu comprends ce que je te dis? C'est bien. On fait des progrès. J'en veux pas, tes trucs. Il y a trop de pièces. Nous pouvons vous les livrer déjà montés à domicile. Ça fait bouger mes abdos, donc ça me fait de l'effet, tu vois. Je vais juste un peu réfléchir. Depuis mon accident de voiture, il m'est très difficile de rester concentré sur mes réflexions. Je diverge, j'ai mon esprit gueule. Ok, j'ai pas mis de chaussettes. Ah non, c'est pas possible, j'ai pas mis de chaussettes. Vite, regarde ailleurs, sinon les gens vont le remarquer, je vais perdre ma crédibilité. Ah, si seulement j'étais un oiseau, je pourrais m'enfuir et éviter ce genre de désagrément. Mais je... Pourquoi est-ce qu'ils me regardent? Ils ont remarqué que j'en ai pas mis? Est-ce que je l'ai dit tout haut? Je le pensais tout bas. Je sais même plus ce que je fais. Des enfants. Ah oui, les meubles Ikea. Je vais lui sortir la vieille femme de... Je me gratte les couilles et... Hop, surprise! Il n'y avait pas de trou derrière moi tout à l'heure. Hein, c'est parce que c'est un faux raccord. C'est quand il y a une incohérence accidentelle entre deux plans. Léonidas, ne soyez pas idiot, vous allez déclencher une guerre. Oh, flip-flop, messager du roi d'Ikea, je crois que tu n'as pas compris mes intentions. On ne veut pas de tes meubles stadiants. Fou de blues, voir ta scène ou mic. Faire de l'import-export à l'étranger, c'est carrément dégueulasse. Nous, on respecte nos producteurs locaux et on achète chez Castorama. C'est la classe, t'es à la masse dans ta face. Nous ne voulons pas d'IKEA chez nous.